Hey, salut, salut. Allez, on est parti pour du noob. Désolé, hein, je sais que j'ai pas streamé ces 2 derniers jours, mais j'étais crevé. Voilà, 2 jours comme ça. Allez, on est parti. En ordre et à perte. Ok, donc on était devant la tour Bouillabouillac. On avait rencontré Sparadra. Sparadra qui nous demandait évidemment d'aller chercher un smourbif à poil brillant. Ok, c'était bien la première sauvegarde, voilà. Et on venait de recruter un membre dans la guilde, mais je ne sais pas si ces personnages-là seront jouables ou si c'est juste pour la guilde. Donc.
On me dit qu'il y avait une quête, enfin, j'ai pris la quête à l'extérieur de la tour, mais le smourbif, je le trouve pas, quoi. Surtout que je me dans mon souvenir, Sparadrap, il est parti par là, mais par là, il n'y a pas de chemin. Donc je check les VOD aussi, m'assurer que je ne perde pas mes épis et tout, mais que faut que je suive avec les épisodes. Un petit instant, je reviens. Ah ouais, ça, j'ai encore de la marge, mais il faut que pas que je traîne. Hop. Bon, on va faire preuve de logique, hein. Il n'y a rien ici. On va sortir et on va aller carrément à l'extérieur de la tour. La pêche est plus facile que sur Valheim.
Manque aussi de bûches, on va vite aller les chercher sur l'île de Piratas. J'espère qu'on peut y retourner. Eh ben non, on peut plus parler au gars. Johnny Dead. On l'a trouvé, on a trouvé Johnny Dead. Finzel, c'est le gars à qui je dois rapporter les 12 bûches. Et ici, on est dans la jungle de Fort Pitas. Mais il y avait une jungle sur l'île de Piratas. Mais. Mais on peut plus parler au capitaine du bateau pour qu'il nous emmène. Là, c'est pas une jungle, c'est une plage.
Pourtant, j'ai deux quêtes à faire sur, enfin, sur l'île de Piratas. Je sais pas si on pourra y retourner. Mais bah, t'as pas eu d'avertissement, quoi. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge. Au bout d'un moment, tu fais un peu ce que t'as envie, en fait. Je vais à la centralis, voir ce que je peux faire. Ça m'emmerde un peu, j'espère que je vais pas m'asseoir sur sur l'X. C'est quoi ça? À la limite, qu'est-ce que c'est? C'est juste de l'XP et des crédits. Ah non, je peux toujours pas y aller.
Il fallait faire un tour quand même dans les zones de départ, parce que si connaissance paradra, les quêtes à la con, il s'y connaît donc.
Non, je pense que je perds mon temps. Je sais pas où aller en fait. Je suis un peu bloqué. Donc, pas moyen de retourner vers Piratas. Oh non, je suis retourné là. Oh là là. Bon bah c'est ici qu'on trouve les baies dorées donc va pour faire ça.
Bon, je vais retourner à Piratas, hein. Enfin, je vais retourner à Forpitas et je vais voir. Peut-être retourner voir Lord Monnayon. Oh merde, c'est coalition destruction ici. Ouais, notre seule alternative c'est soit Puintourne ou enfin Puintune ou je sais plus comment ça s'appelle là ou Forpitas, c'est tout. On peut pas aller au fort de la Sierra. Et
Je vais m'en tenir à mon plan initial, retourne aller voir Lord Monayon. Par contre, la quête du smourbif de Sparadra, je sais pas où il est. C'était devant la tour, il y a la mer Yabouyak. On va s'arrêter chez le forgeron aussi, acheter de nouvelles armes. Surtout de nouvelles armures plutôt. Ouais, stylé maintenant. Alors, Lord Monayon, il était à la taverne. Donc, c'était ici. Et il a rien à me dire.
Alors, bah, j'ai trouvé la solution. J'ai été voir ma dernière VOD pour me rappeler l'objectif. Apparemment, oui, il fallait bien aller acheter une monture, ça c'est fait. Et maintenant, il faut aller vraiment aux montagnes de la Sierra, en fait. En fait, j'étais au bon endroit. Et le Smurbif, apparemment, c'est où il est au sud-est de la tour Galamadria Bouillac, que disait Sparadra. Voilà. Pour mon tir. Oh, j'ai bien fait d'aller acheter des armures, parce que on va. Il n'y en a pas. Donc, enfin, là où on va, il n'y a pas de marchands, apparemment. Enfin, je pense pas qu'il y ait des marchands. Pas m'avancer, mais voilà. J'ai bien fait de. Vu à quoi ressemblent les mobs, j'ai bien fait de enlever nos armures de niveau 1 qu'on a depuis le début du jeu, d'avoir équipé un peu tout le monde parce que. Thank you.
Voilà, on progresse. Et voilà. On verra pour Piratas plus tard, hein. C'est pas grave si on a raté quelque chose. Désolé pour le... pour avoir... De toute façon, on a fait les petites quêtes, mais désolé pour... le cafouillage. Il y aura un peu aussi d'expliquer pour la monture, parce qu'on t'explique pas grand-chose. Ça manque des tutos, quand même. Apparemment, ils vont pouvoir débloquer leur classe légendaire et je suppose que Drake, lui, va devenir Berserker du Crépuscule, comme Omega Zell. Ou un guerrier du Crépuscule comme Fantôme, enfin c'est tout l'un ou tout l'autre. Une petite save maintenant qu'on est arrivé jusqu'ici. Il faudra réexplorer parce qu'il y a certains minéraux qu'on pourra récolter pendant que plus tard. En fait, vraiment, on va repasser par les endroits. Donc, ouais, je suppose qu'on va pouvoir repasser Piratas plus tard. Par là, on sort.
Ah, mais oui, il vient de dire que les grottes peuvent mener jusqu'à l'île de Piratas. Bah, tu peux être sûr que solution facilité scénaristique, tu peux être sûr qu'il y aura une grotte qui te permettra de revenir à Piratas en un instant. Coïncidence? Au pluriel. Artemidius. Nostaria, bien sûr.
Donc, j'avais vu dehors quand un joueur de la coalition m'a poursuivi. Oui, tu peux te faire vraiment attaquer par les joueurs de la coalition. Ce qui reste logique. Ah bah là, ce Smurbish. Pourquoi ils disent près de la tour Galamada, il y a Bouillac, alors c'est bizarre. Il me fume la tête de Sparadrap quand même, qu'ils lui ont fait en dessin. Avec le Smurbish à côté qui fait la même tête. Et voilà, un nouveau joueur dans la guilde.
y a au fond que j'ai pas encore été visité, on va aller checker.
Thank you.
Oh non, un joueur de la coalition. Ah, ils sont trois quasiment. Là, au cimetière. Oh, y a un coffre là-bas. Oh, je dois repartir des joueurs de la coalition. Ah! Cascadoum! Bon, on va être bloqué maintenant dans nos levels et on ira faire le troisième étage de la tour Bouya Bouyak. Juste après, ici.
a trouvé Oberon. Oberion. J'aurais voulu le coffre.
Voilà, bah, su de ouf. Thank you.
Ah, on a directement ramené d'or, bah c'est nickel. On va aller faire le troisième étage, je pense qu'on va se stopper. Je vais essayer de me stopper à chaque fois que je finis un étage comme ça.
Quoi? C'est quoi cette méthode?
Lol, comme ils se reproduisent les smourbifs. Un petit bisou et le plus timide pond un œuf, lol. Et claboussoum! Les attaques sont vraiment stylées. Et voilà, le level 40. Et on est déjà 31. Thank you.
Il y avait un flan sur la table. Bah écoutez, comme j'ai pas envie de me lancer dans une série de quêtes, parce que ça va être les heures, il va être déjà 18h, donc on va s'arrêter là. Peut-être que j'en streamerai tout à l'heure, je ne sais pas. Voilà, mais au moins voilà, on aura avancé, on aura fini l'arc narratif du Mal Sombre. Et bah voilà, on a accès à Centralis, maintenant on va encore découvrir une nouvelle partie de la map. En tout cas c'est cool, hein, on a recruté deux membres dans la guilde. Voilà. Et on a encore fait, et on a un palier supplémentaire de niveau à faire. Allez, je reviens. Je vous dis à plus, pardon. Je reviens plus tard. Allez, bisous.